les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous lire une histoire qui s'appelle Le monstre du placard existe d'Antoine Dole. Vous êtes prêts? Bien installé? Alors, c'est parti. Le monstre du placard essaye tous mes jouets. C'est pour ça que c'est toujours le bazar dans ma chambre. Inutile de me fatiguer à ranger. À peine j'ai le dos tourné et ma chambre est de nouveau sans dessus dessous. Le monstre du placard met des croûtes de fromage dans ma bouche quand je dors la nuit. J'en suis sûre. Le matin, quand je me réveille, j'ai tellement mauvaise haleine qu'il faut que je me brosse les dents deux fois. Le monstre du placard s'amuse à me faire des épis. Quand je sors de mon lit, j'ai les cheveux tout en désordre. C'est sûrement la mode au pays des monstres. Le monstre du placard fait ses besoins partout. C'est vraiment une horreur. Je retrouve par-ci, par là, le caca au coin des yeux. Et même oh, des crottes de nez. Le monstre du placard se nourrit de chaussettes sales. Urgh. Je mets la main sur l'une, mais jamais sur l'autre. Peut-être qu'il n'aime que les pieds gauches. Le monstre du placard vient d'un pays fort lointain où tous les habits moches sont d'une valeur inestimable. Je suis sûr qu'on trouvera sa cachette avec dedans. Tous les pulls que mamie m'a tricotés et qui avaient mystérieusement disparu. Le monstre du placard fait la même pointure que moi. Il enfile toujours mes baskets pour aller voir ses amis. Maman peut le suivre à la trace sur le tapis du salon. Le monstre du placard connaît des tonnes de blagues. Il les glisse par mes oreilles la nuit. Dans mon sommeil. C'est pour ça qu'à l'école, la journée, je n'arrive pas à rester sérieux. Le monstre du placard adore les légumes verts. C'est tellement monstrueux. C'est pour ça que je n'en mange jamais. Les enfants farcis aux épinards sont sûrement un régal pour lui. Le monstre du placard adore les baignoires. Dès qu'il en voit une, il se jette dedans comme s'il était à la piscine. Le monstre du placard n'aime pas le chocolat et les biscuits. C'est pour ça que j'en laisse toujours sous mon lit. Comme ça, je suis sûre qu'il n'embête pas ses cousins qui se cachent. Le monstre du placard a peur du noir alors comme je suis gentil je demande à maman de laisser la veilleuse même si moi je suis grand et que je n'ai peur de rien le monstre du placard ne sort pas du placard quand il y a du bruit alors je fais du chahut jusque tard dans ma chambre vous me croyez maintenant il y a bien un monstre dans mon placard. C'est lui qui fait toutes ces bêtises. Oh. Vous tombez bien. Le petit humain de la chambre existe. Je peux le prouver. Et voilà, les amis, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Et si par hasard vous tombez sur le monstre du placard, dites lui de vous rendre les chaussettes gauches de ne pas sauter dans la baignoire comme dans une piscine, et de faire tout un tas d'autres bêtises. Merci. Allez, à la prochaine.